King International Advisory Group avait déjà examiné les allégations à l'endroit du frère Léon Lajoie, dont les restes ont été retirés des terres de Ganawagé à la suite d'un vote communautaire. Le cabinet n'a trouvé aucune preuve d'acte répréhensible dans le cas de Léon Lajoie. Mais la semaine dernière, les Jésuites du Canada ont publié une liste sur laquelle figure au moins un autre prêtre affecté à Ganawagé qui a été accusé sérieusement de plusieurs chefs d'agressions sexuelles.